Je suis toujours branché sur la formation et la compétence des agents municipaux. Il faut privilégier la formation des agents municipaux et je pense en particulier au milieu rural. Je sais que les élus municipaux des villages ont tendance à restreindre le budget du personnel dans le domaine administratif en se disant « bon, c'est pas très important, il vaut mieux privilégier la filière technique ». En réalité, il y a besoin de compétences importantes. J'ai été témoin d'un petit fait dans un village de 130 habitants. J'assistais dans le public à une séance du conseil municipal et une question a été posée par un conseiller au maire sur un détail du budget. Et le maire n'a pas pu répondre. Et il n'y avait aucun agent municipal dans la salle pour apporter l'éclairage sur le maire. Ça veut dire que la démocratie ne peut pas bien fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas prévu que la secrétaire de mairie soit présente au moment du conseil, ou ait la formation suffisante. Peut-être que la mutualisation, disons, du personnel communautaire, du personnel de la communauté de communes, ça peut apporter aussi une aide aux élus. Merci beaucoup, Monsieur Baudot.